Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez à l'écran, sur Bob l'éponge, la bataille de Bikini Bottom, version réhydratée. Donc, rehydrated, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, avec mon accent tout pourri. Et on va se lancer ça tout de suite. Donc, c'est le jeu sorti à l'époque, je suis emmêlé dans les fils, attendez, sorti à l'époque sur PS2 et GameCube, il me semble. Je ne sais pas s'il était sorti sur Xbox. Donc, ils ont ressorti aujourd'hui, mais totalement retapé. Vous le voyez. Sous-marin de paix et de normalité. La ville va aujourd'hui devenir le théâtre d'une horreur sans nom. Et notre petite éponge jaune préférée va y jouer un rôle crucial. Enlevez une oreillette, parce que sinon. Le grand jour est arrivé. J'ai imaginé un plan machiavélique qui va enfin me permettre de voler la recette du pâté de crabe. Voir de détruire Bikini Bottom par la même occasion. Avec Plankton. Grâce à mon nouveau Duplicatotron 3000, je clonerai une armée de robots sous mes ordres qui sèmera le chaos et la destruction. Revoyons une dernière fois notre checklist. Alors, question numéro 1, Plankton est-il un génie? Réponse oui. Voilà, fin de la checklist. On active l'interrupteur. Bienvenue, armée de robots très disciplinés. Attendez, je vais prendre une photo pour mon album. Hé, minute! On dirait un peu des claptraps. Qui vous prend? Oh non, non, non! Arrêtez, non! Mais je suis votre maître! Je vous ai créé! Non, non! Ma force l'aide! Aïe! Aïe! Encore une belle journée avec des... Oh, il a sa vraie voix, dit. Ouais, sauf que je finis toujours par mélanger les chevaux et les robots. Imagine si on avait de vrais robots à la place. Le mien s'appellerait... Ils ont dû refaire les doublages. Charlotte, ou peut-être Frankie. Ouais, on s'ennuie avec ces faux robots. Ah, que j'ai une idée. Et si on les mettait là-dedans? Mais tu vas faire clamser cette bête. Ce n'est pas un simple coquillage. C'est mon coquillage magique. Parce qu'il me semble que dans le jeu d'origine, c'était pas les vraies voix. Alors, on place pour certains persos. Ok. On prononce la formule magique, tu veux, et on secoue le coquillage magique. Ok. Ensuite, on va se coucher. Et le lendemain, on peut s'amuser avec de vrais robots. Hé, hey, Patrick, on n'a même pas prononcé la formule magique. Si, tu l'as fait. Ah bon? C'était ok, la formule magique? Avant, c'était Alakalazama, Alabaloaga, Doudou, Doudou, Poussala, Nanake, Moulcafé, mais je l'oubliais tout le temps. T'es sûr que ça va marcher? Ben oui. La semaine dernière, il ne me restait plus qu'une grosse miette de cookie. Comme j'avais faim, je l'ai mise dans mon coquillage magique. J'ai prononcé la formule, je l'ai secouée, et le lendemain, j'avais plein de petites miettes. Patrick, je déclare que demain sera la plus belle journée de notre vie. Un petit peu con, Patrick, hein. Bonne nuit, bonne. Mais ça, bon, on le savait déjà. Le lendemain matin. On va jouer au robot, on va jouer au robot, on va jouer au robot, on va jouer au... Oh, Gary, c'est toi qui as fait ça? Bon, je dis c'est version retapée. On est sur Xbox One X. Ouh, pardon pour le coup dans le micro. Donc ouais, Xbox One X, je sais pas si on le verra. Il est en 4K. J'imagine que je vais et il a des optimisations en plus. Quelle idée fantastique. Ouais. C'est pas nos... on va passer un petit peu ça. Donc, si je veux... Bon, j'aurais peut-être dû passer... J'adore comment il se tient, regardez. Bon.
même préparé un casse-croûte. Mais je n'ai pas le temps. Ok, bon, c'est pour dire qu'il faut ramasser tous ces trucs-là. Ça brille. C'est un petit tuto, de toute façon, je vais pas vous faire une grosse, grosse vidéo. C'est un jeu sorti à l'époque sur PS2. PS2 GameCube, je vous disais, et ils l'ont refait, vous voyez, avec moteur graphique modernisé. Puis voilà. Il y a un mode multijoueur aussi. En ligne et à deux sur la même console en coop. Donc c'est plutôt. Donc c'est plutôt cool. On ne le laissera pas là aujourd'hui parce que bah, là tout de suite je suis tout seul. Mais bon. Je vais préparer un casse-croûte. Mais je n'ai pas le temps. Une spatule dorée. Il y a ses fringues derrière. Les portes. Hein. Alors, on va quitter la maison de Bob, on va aller vidéo. Puisque, comme je vous disais, ouais, le jeu, pour ceux qui le connaissent déjà, bah, après, il est refait visuellement, mais c'est le même jeu. Les petits bruits du quartier. Il sort le 23, donc aujourd'hui. 20 ans, Bob l'éponge. Tu pollues mon espace. Tu essaies encore de voler la recette du pâté de crabe, hein, Plancton? Eh bien, je t'en empêcherai. J'ai d'autres poissons-chats à fouetter. Je dois trouver comment reprendre le contrôle du saut de l'enfer à ces robots. D'où proviennent-ils? D'où? Je n'en sais rien. Pas de moi, en tout cas, c'est certain. Ils sont apparus soudainement et ont commencé à m'insulter et à me lancer des objets. Ils ont même plié toutes mes cuillères. Je les aimais comme mes enfants. C'est horrible. Oh, tu veux bien m'aider à les arrêter? Avant qu'ils ne plient également toutes mes fourchettes? Pas les fourchettes! Je vais t'aider, évidemment. Une minute. Je suis censé récupérer tout un tas de spatules dorées. Des spatules dorées? Bob l'éponge, si tu me permets de retourner au saut de l'enfer, je te donnerai une montagne de spatules dorées. Dans tes rêves. Marché conclu. Il est un peu concis, Bob l'éponge, hein, quand même. Là, on peut marcher doucement. Regardez, regardez la dégaine. Mon petit Bob, c'est ta tête de robot. J'aime l'argent. Pognon au crabe croustillant qui coule comme une épave. Son pognon. Pas de crêpes croustillants, et sans crêpes croustillants, plus de friture pour toi. Plus de friture. Mais comme tu es naïf, je vais t'aider et faire des bénéfices au passage. J'ai plusieurs spatules dorées que je suis prêt à t'échanger contre quelques objets brillants. Ok. Bon, on va explorer un petit peu. J'adore ouvrir des cadeaux. Ah, il faut que je fasse attention à ça, là. Hé, hey, Bob l'éponge. Marcel Bubu. Vois-tu, tu vas devoir apprendre quelques nouvelles techniques éclatantes si tu comptes voyager dans la 9e dimension pour vaincre l'homme singe géant. Mais j'ai juste besoin de trouver un moyen de me débarrasser de ces robots. Ah, oui, désolé, je suis resté un peu trop longtemps dans la bouteille de savon. Où en étions-nous? Tu parlais de nouvelles techniques éclatantes. Exact.
appuie sur ce bouton et tu te projetteras dans les airs avec la puissance d'une bulle. Cela te permettra de détruire tout ce qui se trouve au-dessus de toi. Essaye donc! Ah ah! On va aller le voir. Ton coffre au trésor m'a l'air bien léger. Tu penses que j'ai le cerveau noyé dans l'eau de cale? Ok. On va se balader un petit peu. Tranquillement. Après, c'est du jeu de plateforme aventure. Vous voyez, il y a des mondes dans lesquels faut aller. Et pour l'instant, le seul dans lequel je peux aller... c'est celui-là. Donc on va aller se balader par là-bas. Bon, lui, il a l'air de y aller. J'ai repoussé un petit peu le PC que j'utilise là. Les collines verdoyantes de la prairie des méduses. Et j'attends ma patte thermique pour lui refaire toute la patte thermique et tout, parce que je pense que vu comment il souffle, même si je l'ai nettoyé et comment il chauffe, à mon avis la patte thermique elle est morte. Carlo. Maintenant, j'ai des pics. Ah, là par contre, Carlo, c'est pas sa vraie voix. Mais le doublage me choque pas. Dans le manuel du chasseur de méduses, il est possible de guérir les piqûres de méduses efficacement en appliquant une épaisse couche de gelée de roi des méduses sur les zones affectées. Le roi des méduses. Bon, j'imagine que tu vas devoir grimper au sommet de la montagne Cuichette et mourir dans d'atroces souffrances sous les vicieuses tentacules du roi des méduses. Aïe. Je t'attends ici, prostré dans cette douleur insurmontable. Ça marche. N'aie crainte, Carlo. Je te rapporterai cette gelée de roi des méduses pour que tu puisses te la tartiner sur le corps. Ah, je vais vous défoncer quand même, hein. Petit combo. Vous voyez, il y a même des trucs sur l'eau là-bas. C'est plutôt... bon, techniquement, c'est assez basique, évidemment, mais c'est plutôt assez joli le travail qu'ils ont fait, franchement. Pour l'instant, comme c'est moi qui dirige la caméra, il n'y a pas de problème. Ok. Donc on est dans l'eau. En plus, je vous dis c'est de l'eau, mais oui, non. On vit déjà dans l'eau. Mais en fait, ils savent pas nager. Ok. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Donc il y a des petites boîtes de téléportation. J'ai pas trop joué au jeu à l'époque en fait. J'adore ouvrir des cadeaux. Donc pas de méduse aujourd'hui. Je pars à la pêche au robot. Je me sens regonflé à bloc. Frère,
frais comme une brise printanière. Hop. Je suis concentré en fait, je vous parle pas beaucoup, mais je vous laisse regarder le truc. Ouais, c'est assez sympa le travail qu'ils ont fait au niveau visuel, je trouve. Moi, j'aime bien. J'ai fait le con. Après, moi, je suis un enfant. Donc... Bob l'éponge, je trouve ça hilarant. C'est très con, mais ça me fait rire quand même. On va essayer d'avancer un petit peu parce que là j'avance pas. Vous voyez pourquoi c'est, malgré tout, c'est important de prendre son temps et de ramasser tout ça. Ah, j'ai fait le con. Parce que... On récupère des sous quand même grâce à ça. Ouais, il y a une spatule là-bas. Mais alors, comment on la récupère? Je ne sais pas. Prêt pour une nouvelle journée extraordinaire. Bon, en tout cas, il y a une spatule là-bas. Ouais, je sais pas comment on peut faire. Bon, il y aura peut-être des techniques à débloquer. Après, c'est le genre de jeu où faut revenir dans les niveaux, je pense. Donc... Bon, les robots sont pas super dangereux. Franchement, ça va. D'accord. Fallait pas faire ça. Bon, ouais, fallait pas faire ça. Des fois, je vous ferais bien des trucs comme ça en stream, mais j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas récupéré la fibre. Donc... Ouais. C'est pour vous faire un stream dégueulasse et qu'on voit que dalle. C'est pas génial. Là, du coup, vu que le jeu est disponible en 4K, je pense que bah, je vous fais la capture en 4K et je pense que je vais vous laisser ça en 4K au montage. Il faut que j'y vais. Ok. Après, ouais, voilà, il y aura moyen de revenir avec d'autres persos aussi. Normalement, on peut jouer Patrick et on peut jouer Sandy aussi, il me semble. J'adore ouvrir des cadeaux.
Donc on pourra revenir sans problème avec eux dans les niveaux. Et puis je pense... Ah non, c'est bon. Voilà. Donc je pense qu'on pourra revenir avec eux dans les niveaux et puis accéder à des trucs où on n'a pas trop accès là. Mais bon, vous voyez, après, si vous aimez pas les jeux de plateforme, c'est pas fait pour vous. Patrick sera drôlement content de récupérer ça. Voilà. Et après... Oh, j'avais pas vu ça, moi. J'ai pas fait attention. Après, on est franchement sur une bonne adaptation. Hein. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, qui aiment bien. D'ailleurs, il y a un nouveau qui va sortir au cinéma, normalement, bientôt, il me semble. Oh, j'irai sûrement pas au cinéma le voir, parce que je vais pas au cinéma, moi. Mais je vais arrêter très rarement au cinéma. Ça fait des années que j'y suis pas allé. Je me demande bien si le dernier truc que je suis allé voir, c'était pas l'âge de glace là, le dernier. Je me demande, après je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ça le dernier truc que j'ai vu au cinéma. Salut Gary. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit Gary? Waouh, du saut à l'élastique pour une seule spatule dorée. Je dois être au parade. Donc et voilà. Comment on fait pour avoir la spatule? Il fallait faire ça. J'adore comment il se tient là, comme ça. Je sais, je délire vraiment sur des trucs. C'est absurde. De toute façon, Bob l'éponge, c'est absurde. Mais moi, ça me fait délirer les trucs comme ça. Mortel. Après, je vous dis pas que je regarde tous les jours Bob l'éponge, hein, non plus. Hein. Il a rien fait ce pauvre poisson. Hein. Moi aussi, je peux lui mettre des coups sur la tronche. Il y a trop, en fait, là. Il y a trop de choses à... Il y a trop de choses à explorer en même temps. Frais comme une brise printanière. Je vois trop de trucs en même temps, là. Je sais pas où donner de la tête. Ah, puis j'essaie de vous faire quand même. Je peux pas passer par-dessus. Ah, quand même. J'essaie de vous faire quand même une vidéo où on avance un peu. Même si le but c'est pas de trop vous en montrer. Ah merde, bon. Raté. C'est le genre de jeu où faut revenir dans les niveaux, ça.
Regardez là-bas tout ce qu'il y a encore à voir. Je me demande bien si ça c'est pas le chemin. Et là-bas, c'est un bonus encore. J'adore ouvrir des cadeaux. Ouais, on va peut-être aller voir là-bas d'abord. Vous voyez, il y a trop de trucs. Et bah, il faut que je vois à un moment donné, je vais voir si ma deuxième manette elle fonctionne bien. Parce que j'ai eu l'impression, quand j'ai joué sur PC la dernière fois, que j'avais un stick qui déconnait sur ma deuxième manette. Mais si ça fonctionne bien, on va peut-être se faire une petite vidéo à deux. Ok, donc là on peut pas pour l'instant. Ouais. Pour l'instant je ne peux pas. Vous voyez, c'est, ouais, c'est le genre de jeu où faut revenir dans les niveaux. Attendez. Non, ça va, il souffle pas trop. J'espère qu'on n'entendra pas trop le PC. Ok, bah ça tu me l'as déjà dit mon gars. Donc, j'ai failli faire ça dans le slime. Là on va pas prendre de risque. Merde. Je vais pas taper dans le bon rythme. Et après il y a une latence avec l'animation là. Là c'est pareil, on va essayer d'avancer. Ouais, ça c'est la boîte de téléportation. Allez, on essaie d'avancer. Une petite spatule. J'en ai trois du coup déjà. Je peux pas aller plus loin. Tiens donc. Ah si, j'avais pas vu qu'il fallait appuyer. Je suis désolé, ça me gratte le bras, j'ai une plaque là, je sais pas si c'est une allergie. Waouh, l'homme sirène. J'ai toutes vos bandes dessinées, vos jouets et vos courriers. Quoi? Je vois, c'est le petit Bob l'éponge. Et qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Que Patrick est encerclé par des robots et qu'il a besoin de mon aide. Non, je crois que ça avait un rapport avec masser les pieds. Bon, si masser vos pieds peut sauver Patrick, alors je m'y colle. Oh l'aide, il m'oblige à me taper moi-même. Masser vos pieds ne fonctionne pas. Je devrais essayer une approche plus directe. Oh, me couvrant les ongles des pieds. J'arrive, Patrick. Il sert vraiment à rien, cet homme sirène. C'est bien, en plus comme ça vous verrez une petite scène un petit peu. C'était voilà. Marrant. Il faudra que je C'était plutôt cool, jour. Effectivement. Puis après on va s'arrêter peut-être, hein, parce que ça va commencer à faire long. La vidéo va être en 4K. Avec l'incrustation webcam, elle va peser 8-9 gigas, voire plus.
Bon. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Faut que je redescende. Allez. Je défonce moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Hop. Après ça va franchement, contrairement à l'âge de glace où j'ai eu du mal, là le perso quand il saute, il retombe juste où il faut en fait, il n'y a pas de glissade après, il n'y a pas... Merde. Du coup, ouais, on glisse pas à chaque fois qu'on finit un saut. Frais comme une brise printanière. Donc c'est à prendre en main, c'est plus simple et surtout c'est mieux foutu, je trouve. Ouf, tu es sain et sauf, Patrick. Bah, évidemment, Bob. Pourquoi ça? Eh ben, les robots et le... Oh ouais, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air important, ouais. Merci, allez. Patrick. D'accord. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, on va jouer Patrick, là. Sur le bouton, je suppose. La vidéo elle va être beaucoup trop longue, mais bon. Youpi, c'est parti. Combien est-ce que je dois emporter? Ah, c'est ça qui m'expliquait. Ah, merde. Ouais. En gros. On peut faire ça, mais avec un temps limité. Voilà, donc vous voyez, après, selon quel perso vous avez dans le niveau, bah c'est des techniques différentes, c'est... Ça a mis un petit peu de temps à réagir. C'est beaucoup. Fallait que je me dépêche de le lancer. Hé, hey, tête de bernacle, regarde devant toi quand tu marches. Le rocher me parle. Oh, rocher tout puissant, je suis à vos ordres. Plus bas, espèce de gros empothérose. Oh, bonjour, monsieur Plankton. Vous allez me désintégrer aujourd'hui? C'est si tentant. Malheureusement, la mauvaise posture dans laquelle je me trouve m'oblige à t'aider. J'étais aussi dans une mauvaise posture hier. Et maintenant, j'ai mal au dos. Écoute-moi, mon futur sbire-vent tripotant. Rends-toi dans la grotte aux méduses. Suis les instructions sur les... Ouais. Puis vous... Allez. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Hein, parce qu'on est à 35 minutes. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais... pour la vidéo... Regardez, ça, c'est...
toutes les zones là. Ah, on peut sauvegarder comme on veut. Ça c'est bien. Pour la vidéo, on va s'arrêter là-dessus parce que ça fait 35 minutes déjà. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.